À présent, les nouvelles du jour. Celui qu'on appelle le tueur au masque crieur a encore frappé. Dans le courant de la semaine dernière, trois nouvelles victimes, Lisa Lefebvre, Karim Barr et un jeune homme Randy Fessé, ont été repêchés dans la Seine. La cause de la mort ne serait pas la noyade et plusieurs coups de couteau auraient été infligés aux victimes avant leur mort. La police est sur ses gardes et demande à la population de ne pas paniquer. Passons au résultat du match. La salle à manger est pleine d'ouest, il y a tous les meubles, vous n'aurez pas de soucis. Ok, bah c'est parfait. Hein. Ici c'est le balcon, le soleil est présent tout l'après-midi. Bah, comme ça vous pouvez bronzer quoi. Et les chambres, elles sont à l'est, vous serez réveillé par le soleil chaque matin. C'est parfait. Vous avez du mal à émerger? Non mais j'aime bien me lever du bon pied le matin. Le soleil vous aidera alors. Voici la première chambre, elle n'a jamais été utilisée. L'ancien propriétaire dormait uniquement dans l'autre. Ok, je peux voir l'autre chambre? Par ici. D'accord. Et la porte là-bas, c'est la salle de bain. On voit les papiers? D'accord.
Bon bah tout est réglé. C'est parfait, hein. C'est exactement le genre de logement universitaire que je cherchais. J'ai encore une dernière chose à vous dire à propos de cet appartement. Je peux encore tout annuler. Allez-y. La personne qui vivait ici avant, c'était une fille de votre âge. Comme vous l'avez constaté, elle a laissé toutes ses affaires. Elle s'est suicidée dans la baignoire. Je ne voulais pas me cacher ce fait. Il est important après tout. Et je me doute bien que ce soit un problème pour la location. Ah, c'est horrible. Mais je peux pas me permettre de laisser passer cette occasion. J'ai une fausse appartement. Eh bien, très bien. Voici les clés. Votre colocataire, je me souviens plus son nom, elle arrive demain. Je passerai lundi pour régler les papiers avec elle. Ok. Allez, au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que t'as, Evan? Je pense à mon frère. Billy? Ouais. Ça fait un petit peu de temps qu'il m'a pas rendu visite. Je crois qu'il est tombé amoureux de cette ciné, celle-là. Ouais, salut Morgane. Ouais, je sais ce qui arrive à Sydney, c'est horrible. Je la connais pas beaucoup, mais ça me touche. Aïe! Bah, excusez-moi. Ah, bonjour, tu dois être ma colocataire? Ouais, c'est ça. Ça t'embête si je file dans ma chambre pour poser mes affaires? C'est un peu lourd. Ah non, pas du tout, c'est dans le couloir, la porte à gauche. Merci. Oh, elle est sympa cette chambre. Tu m'as dit que tu t'appelais comment déjà? Hé, hey, tu penseras à fermer la porte à clé quand tu partiras, hein? Ouais. Merci. Allô? Ah bonjour, vous êtes la propriétaire? Le numéro de ma colocataire? Mais je crois qu'elle a pas de portable. Mais sinon, vous pouvez passer dans la journée à l'appartement, elle y sera peut-être. Je sais pas quand elle rentre, mais bon. D'accord. Bah, bonne journée, tenez-moi au courant. Au revoir.
mère. Ta plus grande peine de cœur? Jamais eu. Ta plus grande peine? Ma mère. Ton plus grand regret? Ta plus grande peur. Les téléphones. Bonjour, c'est vous, Christine Lueur? Oui, c'est moi, pourquoi? Le facteur a confondu nos boîtes aux lettres à cause de nos noms semblables, Lueur et Lueur. Alors, voilà. C'est merci. Bon. Christine, on a de l'arnica? Quel padoué. Oui, en haut de l'étagère. Merci. Bon, bah, merci, au revoir. T'as pas fait ma brosse à cheveux? Non, je sais vraiment pas. Mais tu sais que si je l'ai pas, je vais pas pouvoir me coiffer. Je déteste avoir les cheveux en bordel. Ah non, désolée, je sais vraiment pas où elle est. Bonjour. Bonjour. Je peux vous aider? J'avais une connaissance qui vivait ici à Ambre. Ah, je suis désolée. Vous allez bien? Vous voulez voir quelque chose? Il y a ma colocataire, mais faites pas attention, elle est un peu bizarre. Je vous sers un verre d'eau, allez dans le salon. Chris, j'ai besoin de ma brosse! Essaye de chercher dans le... Ça va? Oui, oui. Vous vous connaissez? On était ensemble au collège. De la maternelle au collège. Ah, toi aussi, tu viens de Bretagne? Ouais, t'es Bretagne. Bon, bah, je vais chercher un troisième verre. Tu vas bien? Ouais. Et toi? Qu'est-ce qui s'est passé après le départ? J'ai rencontré un gars. C'était pas toi, mais il était sympa. Et toi? Et donc, vous deux, vous... Hein? Non, 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 non. Non, je le considérais... Considère, comme mon petit frère. Mais comment vous vous êtes rencontrés? Je cherchais un appartement et j'ai vu l'annonce, alors j'ai sauté sur l'occasion. Comme Charline, apparemment. Je vais me rechercher de l'eau, quelqu'un veut un deuxième verre? Ouais, j'en ai. Ouais. Et donc, quoi de neuf? Bah, en fait, je... Vous allez mieux? Vous aviez l'air mal tout à l'heure.
Dites, vous comptez continuer à vous voyer tous les deux? Parce que bon, je voudrais pas dire, mais Evan, j'aime te retrouver, donc je compte pas te lâcher maintenant. Et bah, toi, tu vis avec moi, donc... J'ai emménagé dans son ancien appartement. Ok. Et toi? C'était une amie. Ah. Ça va? Oui. Je dois y aller. D'accord. C'est comment la cohabitation avec Charline? Bah, c'est Charline quoi. Mais c'est un peu bizarre, il y a des fois elle disparaît, je sais pas pourquoi. D'ailleurs, tu sais pas où elle est là. C'était méchant de raccrocher. Laissez-moi tranquille.
t'ai dit de me laisser tranquille. Chris, tu vas bien? Ah, Evan, il y a un timbré qui arrête pas de m'appeler depuis tout à l'heure. T'es sûr que t'es seule chez toi? Bah, Charline est sortie, mais j'étais sûre d'avoir fermé la porte à double tour tout à l'heure. Et je suis rentrée plus tôt. Sydney, elle est morte et là je suis en train de profiter de la vie comme ça. C'est nul, je trouve ça injuste. C'est pas de ta faute, c'est pas comme si elle avait été tuée. Elle a choisi ça, t'es pas coupable. C'est fait maintenant, passe à autre chose. De toute façon tu pourras rien changer. Bon, tu sais quoi, rentre chez toi. On en reparle. De toute façon il y a Chris qui m'attend. Ok, tu veux que je te raccompagne? Si tu veux, ouais. Je descends. Charline, t'oublies pas les clés cette fois. Et merde. Allô?
salut. Ah, c'est toi? Ça fait un bout de temps, tu vas bien? Ouais, tu veux que je passe? Pourquoi pas, mais Charline est partie. Hein. C'est pas vraiment Charline que je veux voir. T'es bête. Je suis là dans 15 minutes. Bon, bah à tout à l'heure. Allô? C'est encore moi. Tu veux que j'apporte quelque chose? Ah oui, si tu veux. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Ah, salut, ça va? Ça va et toi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai croisé Billy tout à l'heure. C'est bizarre, je l'ai jamais revu depuis la mort de Sydney. Billy? Ouais, c'est bizarre, tu trouves pas? C'est quoi son nom de famille? Carcal, je crois. Pourquoi? Pour rien. On y va? Ok. Ah, c'est toi. Salut. Ça va? Oui, toi. Ah, c'est toi. Par un tueur masqué, ouais. Comme Sydney. Peut-être que c'était le même. Tu l'as déjà vu le masque? Tu sais à quoi il ressemble? Je t'ai vu dans les journaux et... Et Sydney me l'a déjà décrit. Je crois que c'est moi qui l'ai créé. Que j'avais fait de mon frère quand j'avais à peu près 12 ans. Qu'est-ce que tu caches derrière ton dos depuis tout à l'heure? Allez, fais voir. Allez, Zen. Tu t'en es souvenu? Ça te plaît? Tu rigoles, c'est super. Salut. Ciao. Est-ce que ça va? Ouais, mais d'où? Mais je crois que je te connais, on n'était pas ensemble en primaire, mais t'étais parti en milieu d'année, je crois. Ouais, c'est ça. Tu es les Charlie? Ouais, on se connaît bien. Quoi, tu la connais? Ouais, bon, on se connaît depuis super longtemps. Non. Si, je t'assure. J'ai même des photos d'elle quand t'étais petit. Non, ça va. Tu veux les voir? Vas-y, vas-y. Viens, oui. Rentre. T'as vu ça? Ouais, ça suit moi. Ok. Nights in white satin, never reaching the end. Tu peux sortir deux secondes, s'il te plaît? Mais quoi? Pourquoi? S'il te plaît. S'il te plaît, Chris. Quoi? Quoi? Quand est-ce que t'as vu le dessin que j'avais fait de Louis? Mais de quoi tu parles? Fais pas le con. Quand est-ce que tu l'as vu? Le jour même, après que l'aide-soignante t'ait appelé. T'es sérieux? Le tueur masqué, c'est toi? C'est toi qui as tué tous ces gens? Avec comme modèle le dessin, mon petit frère? Pourquoi tu t'es attaqué à Chris? Je me suis jamais attaqué à Chris. Jamais. Mais vous êtes sérieux? Mais c'est quoi cette histoire? Une aide-soignante? Je croyais que vous étiez tous les deux au lycée. Le tueur masqué, celui qui a poussé l'ancienne colocataire au suicide, c'était toi? Mais t'as essayé de me tuer, merde! Chris, jamais c'était toi! Lâche-moi! Je vais appeler la police, hein. Tu peux pas faire ça. Quoi? C'est pas parce que t'es un tueur psychopathe que je vais laisser quiconque faire du mal à un autre de mes frères. Par contre, je t'invite très fortement à quitter cet appartement. Mais je... Va-t'en! Elle dira rien. Que tu t'en prennes à Sydney, que tu la tues, que tu tues ton frère même, quoi, tu crois que je suis débile? À la rigueur, je m'en fous. Mais que tu t'en prennes à Chris, je te le pardonnerai pas. Dehors.
t'en vais. Je sais. Merci. Elle était vraiment belle, elle. Puis il y avait aussi ce jour. Tu voulais pas montrer les photos d'elle quand elle était petite? Ah oui. Tu peux répondre, s'il te plaît? Ouais, ouais. Allô? Bonjour, Mickaël. Non, moi, c'est Greg. Bonjour, Greg. As-tu envie de mourir? Hey, Mickaël, y a un taré au téléphone! C'est méchant de traiter les gens de taré. Pas quand ils le sont. Hey, Mickaël! Evan, comme si le monde voulait que vous vous retrouviez. Je te promets, Chris, je savais pas. Je sais, je te fais confiance. J'ai l'impression d'être dans un film. Toutes les personnes que j'ai rencontrées depuis que je suis ici se connaissent d'avant. Ouais, enfin à part Evan et moi, doit pas y avoir grand monde. Bah, qui se connaissent, il y a que vous. Sinon, il y a le voisin, et il y a que moi qui le connais. Mickaël Bia. Il est passé me donner une lettre la dernière fois. Mickaël Liard ? Salut ! Bonjour. T'as entendu la nouvelle ? Evan, c'est lui qui a tué sa mère. C'est échappé. Ah ! Il aurait reçu de l'aide, paraît-il. Qu'est-ce que tu veux ? Mickaël, je veux rien. Je trouve juste qu'il y a de la chance. Ouais. Je peux m'asseoir avec toi ? Je t'aime bien, tu sais, j'irai rien pour elle. Charline, ça va? Non, ça va pas, non. Tu le connais aussi? Ouais, il était à l'hôpital avec Evan et moi. Sérieux? Mais tu es dans un asile ou quoi? Cette rue Baltimore. Ok, merci. Au revoir. Allô? Mais Charline? Non, ça suffit, Chris. Evan? Arrête ça, t'es un gros malade. Je vais parler à Chris. Allô?
On doit aller là-bas. Je sais exactement où c'est. L'hôpital. Mais attends, mais on attend pas les secours? Chris, c'est une tentative de meurtre. On attend les secours, on est sûr de pas repartir bientôt. Et crois-moi, ça me plaît pas du tout de les aigrettes là. Charline. T'inquiète pas, les secours arrivent. Arrête de te plaindre! On a vécu bien pire, n'est-ce pas, petit Evan? Ferme-la! Lâche-la, c'est de malade! Tu voulais pas que ça se finisse comme ça, Evan? Après tout, j'y serais pas arrivé sans toi! J'ai rien fait, salaud! Bon, allez, Evan, tu m'as bien aidé quand tu as tué la propriétaire. Oh, et tous les autres aussi. Evan, qu'est-ce qu'il raconte? Petit ami, tueur. Petit ami, tueur. Petit oh, fuck. Tueur. Michael, qu'est-ce que tu veux? Chris n'a rien à voir là-dedans. Oh, supplie-moi. J'hallucine. D'accord. Evan, tu te souviens de cette histoire que nous racontait la gardienne de l'hôpital? Tu sais, celle où il y a le psychopathe qui demande à un homme de choisir entre sauver celle qu'il aime et un membre de sa famille. Est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé lorsqu'il a refusé de choisir? Le tueur a finalement pris les deux. C'était ton histoire préférée à toi et Charline, si je me souviens bien. Arrête ça! Bon, allez, Evan. Et si je te donnais le même choix? Je peux pas! Chef d'enfoiré! Charline! Écoute, Evan. J'ai fait en sorte que mon père se suicide parce qu'il avait tué mon frère. Et j'ai fait brûler la maison ensuite pour détruire toutes les preuves. À côté de ça, Michael. C'est rien. À côté de ça, Michael, c'est une merde. Un petit garçon qui a juste envie d'une maman. Bah ouais, Michael. Toi, tu voulais juste ta maman. C'est ça, Michael. Non? Tu veux une maman pour te border le soir et te raconter des histoires? Tu veux une maman pour te masser le dos quand tu as mal? Tu veux une maman qui t'aime? Mais je suis pas ta maman, Michael. Moi, je suis juste cette fille pour qui t'as eu une obsession quand on était à l'hôpital. Je suis pas ta mère. Je ne t'aime pas et je ne t'aime certainement pas comme une maman. Oh, mais attends. Ta maman non plus, elle t'aimait pas. Arrête ça! Quoi? Quoi? Tu veux me tuer, Michael, c'est ça? Ben vas-y! Vas-y, c'est la seule chance que t'auras. Je me suis promis de jamais tuer personne. Laisse-moi faire. Le tueur masqué qui avait fait 7 victimes a enfin été retrouvé dans la cour de l'hôpital Sainte-Marie. Il se serait suicidé à l'aide d'un couteau, ne pouvant supporter la tournure des événements. On a retrouvé une lettre dans laquelle il confessait tous ses crimes. Que les gens ne s'inquiètent donc plus, les rues de Paris sont de nouveau sans danger. Tout de suite, on écoute le dernier tube de The Vent, Somebody to You. C'est à toi. Pardon. Je suis. But now I spend my time thinking about a way to get you off my mind.
so tough, never really gave enough. And then you caught my eye, giving me the feeling of a lightning strike. Yeah, you look at me now, I'm falling. I can't even talk, still stuttering. This ground of mine keeps shaking. Oh, 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 now! All I wanna be, all I ever wanna be, yeah, yeah, is somebody to you. All I wanna be, all I ever wanna be, yeah, yeah, is somebody to you. Everybody's gotta be a billionaire, but every time I look at you, I just don't care. Cause all I wanna be, all I ever wanna be, yeah, yeah, is somebody to you. All I wanna be, all I ever wanna be, yeah, yeah, yeah.